ça, ça a surpris beaucoup de monde ce week-end, cette info, comme quoi tu pourrais faire ta demande de naturalisation algérienne. C'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps? Ouais, ça fait un petit moment et aujourd'hui, voilà, c'est une démarche familiale et personnelle et là, j'ai pris ma décision et on est en train de faire les démarches pour justement pouvoir un jour jouer pour l'Algérie. En tout cas, j'en suis fier et voilà. Ça a surpris beaucoup de monde parce que pas grand monde savait finalement que tu avais des racines. Elles viennent d'où ces racines en fait? Non, c'est ma mère. D'accord. Ma mère et depuis. Ma mère est algérienne et mon grand-père, mon arrière-grand-père. Voilà, c'est vrai que ça a surpris tout le monde, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est le match de Paris, donc on va. Parce que je suis conscient que c'est mes bonnes prestations avec le club qui vont faire que voilà. Donc on parle du match de Paris. Juste pour clore le sujet, la CAN cet été, c'est pas possible. Je sais pas. On dit justement ce match face à Paris, avec leur élimination, enfin leur défaite en finale de Coupe de France, on se dit quand même que c'est peut-être le bon moment, plus que jamais, pour taper Paris à la fin. Ouais, ça devait l'être aussi au match aller, que ça soit reporté. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça fait quelques matchs où à chaque fois ils prennent des coups de bâton et aujourd'hui voilà ils sortent d'une saison où on avait l'impression que c'était une bonne saison et aujourd'hui elle est plutôt compliquée où il va avoir qu'un titre et donc nous on sait ce qu'on veut, eux ils sont champions de France, pour ça que je fais appel à ma région, à mon club, j'espère que le public va jouer le jeu, va nous soutenir, on a besoin de ça. C'est une belle rencontre face aux champions de France, face à des grands joueurs. Nous, on a quelque chose à jouer. Avant que vous me posiez la question, c'est difficile, mais on espère encore l'Europe. Oui, ça va être compliqué, mais voilà, on est conscient que ça va être compliqué. On est conscient que ça va être un combat très dur, mais voilà, on lâche rien et on va essayer de tout faire. Et ça va commencer par ce gros match. Je pense que Paris va arriver totalement abattu ou un peu piqué au pif. Enfin, personnellement, c'est pas mon problème. Moi, je sais que sur le terrain, je vais tout donner pour que d'entrée, les joueurs du PSG, quand les joueurs, ils vont me regarder ou ils vont nous regarder dans les yeux, ils sentent qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour eux. Et ça, si on part dans cet état d'esprit-là, et voilà, eux, ils n'ont plus rien à jouer, nous, on a tout à jouer. Si le public pousse, s'il y a tout ça qui fait que, on risque de gagner le match. Il y a des équipes qui l'ont fait, qui nous ont prouvé que c'était possible. Nous, on est des joueurs de foot, on va être 11 contre 11, enfin, on va être 12 avec le public. Donc, c'est à nous de faire l'effort sur le terrain et prouver qu'on a plus envie que c'est tout. Est-ce qu'il y a une forme d'excitation à recevoir sur cet adversaire? Ouais, bien sûr, après c'est le PSG, mais après, c'est tous les matchs de Ligue 1. Après, c'est sûr que c'est le PSG, il y a des grands joueurs, le stade va être plein parce que c'est le PSG. Mais après, c'est à nous de justement se servir de ça pour faire un match de fou, un match de guerrier, et croire encore à ce rêve un peu fou. Et est-ce que le score du match aller peut résonner encore un peu? Non, c'est du passé, ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui je vais me répéter, je suis désolé, mais eux ils sont champions de France, nous on a quelque chose à jouer, donc tout ce qui s'est passé avant on le prend, on le met de côté et on avance. Il nous reste 5 finales, 5 fois 95 minutes de fou à faire et voilà, je répète encore, c'est fou. Peut-être vous allez dire que je suis fou, mais moi j'y crois. J'y crois et je pense que si tout le monde met les ingrédients pour, on va le faire. Bon, après, c'est sûr que ça va être très très compliqué. On a la chance de prendre deux fois soit Marseille ou Saint-Etienne. C'est un peu un avantage aussi. Merci. je parlais du match aller plus comme peut-être quand même une source de motivation. En se disant, Non, après, c'est compliqué. Après, vous savez, les matchs comme,
comme ça, c'est la motivation, elle vient toute seule. Et voilà, parce que le stade va être plein et que tout le monde va pousser. La motivation, elle vient naturellement. De grosses influences cette saison, on dit à La Mosson, contre Marseille et contre Nîmes, qui était un match à guichet fermé. Encore une fois, La Mosson demain soir sera à guichet fermé. Jusqu'à quel point ça vous porte cette ambiance? Vous avez sorti deux gros matchs, deux victoires 3-0. Jusqu'à quel point l'ambiance dans La Mosson vous porte à réaliser peut-être des matchs plus grands que ce que vous avez pu faire le reste de la saison? Mais parce qu'on a tout simplement, enfin, moi je pense comme ça, je pense qu'on a, on a des joueurs de caractère, des joueurs qui aiment ça. Je pense à Damien Le Talec qui a connu des matchs comme ça, plein de joueurs qui se transcendent pour ces matchs-là, et on a besoin de ça. Et voilà, comme tu l'as dit, on a gagné deux fois 3-0 quand il y avait une ambiance de feu à la maison, donc voilà, pourquoi pas. Après, si demain on gagne 1-0 à la 92e d'un but de l'orteil de Souleymane Camara, on sera les plus heureux du monde. Tu te souviens de l'ambiance de contre Nîmes, qui était sûrement la plus belle ambiance de la saison? Qu'est-ce que tu avais ressenti? Est-ce que tu espères revivre la même chose? Ouais, bah c'est un très très bon moment, c'est un des plus beaux matchs de ma vie, je me suis vraiment régalé. Après, on le sait que c'est un match particulier, mais voilà, demain sera peut-être pas la même ambiance, mais en tout cas, c'est à nous sur le terrain de les motiver pour justement qu'ils nous en encouragent et qu'on vit des moments comme ça. La Mosson, c'est extraordinaire, donc j'ai envie de le revivre. Voilà, je vais le répéter encore ici, je suis dans ma région, donc ça me plaît quand la Mosson, elle vibre comme ça. Depuis quelques matchs, on a l'impression que l'équipe retrouve ses qualités de la première phase. Comment tu l'expliques? Michel parlait d'état d'esprit, mais est-ce qu'il n'y a que l'état d'esprit? Ouais, l'état d'esprit, c'est sûr, parce qu'on avait dû changer des choses, puisqu'on n'était plus les mêmes. Après, je pense que peut-être aussi, il y a la fatigue aussi. Il y a des cadres qui se sont blessés à des moments où on en avait besoin. Il y a tout ça qui fait qu'on n'a pas été régulier toute la saison. Mais en tout cas, même si on n'a pas été toute la saison, on est quand même aujourd'hui à une belle. On aura quand même fait une belle saison, même si elle n'est pas finie, et même si il faut continuer à qu'elle soit encore plus belle dans 5 journées. Tu disais j'y crois, mais est-ce que c'est ça aussi qui porte le groupe? C'est parce qu'il y a une croyance dans ce groupe sur l'objectif peut-être de l'Europe? Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est soit on y croit ou soit on se dit il nous reste 5 matchs à jouer comme ça pour le plaisir. Dans ce cas-là, on prend 11 personnes dans le public, on tire au hasard et on les met et voilà, ils sont heureux pendant 90 minutes. Non, mais bien sûr qu'il faut y croire. Tant que c'est pas fini, voilà, on y croit. On a vu Marseille qui a perdu hier. Après, on espère le faux pas de Saint-Etienne. C'est le seul truc, c'est que nous, on n'a pas droit au faux pas. Donc, on y croit. Est-ce que vous en voulez un peu au PSG, du coup, de pas rendre cette 5e place qualificative pour l'Europe? Bien sûr. Deux fois en plus. Oui. Ça fait 5 ans, ils gagnent tout. Ils n'ont rien laissé à personne. Et là, ils nous privent de tout. C'est pas fini, peut-être ils vont en priver un autre, mais en tout cas, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué pour nous. Mais après, tant mieux pour les clubs comme Rennes qui le mérite, comme Strasbourg aussi qui le mérite, qui font une saison extraordinaire. Bravo à eux. C'est tant mieux pour les autres et peut-être tant pis pour nous, mais en tout cas, tant pis pour un autre. Le fait que Kylian Mbappé soit suspendu pour ce match, tu vois ça plutôt comme une bonne nouvelle pour Montpellier? Ouais, bien sûr, on le sait que c'est un phénomène, c'est un très très grand joueur, pour moi le futur Ballon d'Or. En tout cas, ouais, bien sûr que c'est bien pour nous. T'en as 13 buts cette saison, est-ce que cette saison dépasse tes espérances quand t'es arrivé ou tu t'es fixé un autre objectif que t'as pas encore atteint et... Non, mais je crois que je l'avais dit, je crois, quelqu'un de vous, non, j'avais dit 15, je crois, non, c'est ça? Il m'en reste 2, si je les mets demain, après... non, mais en tout cas, moi je m'étais dit 15 et voilà, j'espère y arriver. En tout cas, si j'arrive à 15 rapidement, j'essaierai 16 et après 17 et voilà, on sait jamais, voilà, je suis un joueur, je suis un compétiteur et voilà, j'espère aller le plus haut possible. En tout cas, voilà, je tiens à remercier encore une fois le président, le coach, tout, voilà, le club qui m'a fait confiance et
qui m'a donné une chance et voilà, j'espère les remercier comme je le fais sur le terrain chaque match. Est-ce qu'elle dépasse les espérances cette saison ou c'est finalement fidèle à ce que tu t'attendais ou c'est vraiment exceptionnel? Moi, sincèrement, peut-être à vous, ça vous surprend, ça dépasse, mais moi, j'étais persuadé que ça allait le faire. Je savais que ça allait le faire parce que le club me correspond, parce que j'ai cette mentalité qui correspond au club et voilà, c'est une famille et voilà, et moi quand on me tend la main comme l'a fait le président, voilà, moi je le serre dans mes bras et voilà, je lui rends tout ce que je peux et voilà, je suis en train de le faire et je vais continuer à le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton avenir en club cette fois? Est-ce que ton option d'achat a été levée? Je crois qu'elle était automatique. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire au mois de juin, si tu restes ici, si tu repars à Toulouse en attendant de revenir? Est-ce que tu sais exactement ce que tu fais? Oui, je sais exactement ce que je vais faire. Je vais rester ici. Voilà, c'est l'option et ça y est, levée. C'est voilà, je vais rester à Montpellier. Je me sens bien et voilà, j'ai encore des objectifs à remplir ici et voilà. Tu as fait passer un petit frisson dans le dos des supporters Montpellier l'autre soir après Strasbourg en disant joker pour ouais, est-ce que tu peux en dire? Non, parce que on sait comme vous êtes les journalistes. Si vous écoutez bien l'émission à la radio, parce que quand c'était écrit, c'était facile. Mais en fait, je me rappelle plus qui m'a téléphoné. Il y avait plusieurs personnes qui parlaient. Moi, c'était juste après le match de Marseille. Et en gros, il disait que lui, il me kiffait comme attaquant, nanana, et que pour lui, je serais le futur avançant de l'Olympique de Marseille. Nanani, nanana. Et l'autre, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? On venait de sortir, j'allais rentrer dans l'avion, j'ai dit joker pour justement moi, mettre un clou, finir sur ça, quoi. Pour pas rentrer, justement, dans ces questions que vous êtes en train de me poser. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis montpelliérain et fier de l'être. Ça donne aussi un petit peu le niveau d'amour que tu engendres aujourd'hui à la Payette, que tu reçois à la Payette. Ouais. C'est quelque chose que tu ressens tous les jours. Ouais, tous les jours, mais chez moi, de partout. Franchement, ça me fait plaisir parce que j'ai besoin de ça pour avancer. Et voilà, ça me fait avancer, et ça me fait du bien de... C'est mon remerciement à moi, c'est ce que les gens me donnent, l'amour qu'ils me donnent. Et voilà, je remercie encore les supporters d'entrer. Dès que je suis arrivé, ils ont cru en moi. Et aujourd'hui, ils sont fiers pour moi et moi, je suis fier de ce que je fais pour eux. Tu seras montpelliérain, Michel, tu l'as dit. Il y a un joueur qui sera aussi montpelliérain, c'est Vito, qui a encore prolongé depuis 16 ans. Incroyable. Ça te surprend, cette longévité? Non, ça, franchement, avant... quand j'étais dans un autre club, ça pouvait me surprendre. Putain, je me dis, il va jamais s'arrêter. L'année prochaine, il va s'arrêter. Nanani. Maintenant, j'ai fait une saison complète avec lui. Sincèrement, ça me surprend, mais absolument pas. C'est incroyable. Le mec, il n'a pas manqué un entraînement. Il a des abdos. Ils sont comme ça. Il s'entraîne tous les jours. Il arrive le matin. On arrive en premier. Donc, voilà, c'est quelqu'un. Mais en plus, voilà, moi, je l'ai déjà dit, c'est... quelqu'un, ouais, moi il peut me dire, il peut me raconter une connerie, et ben moi, c'est incroyable, il a une carrière tellement incroyable et ça me surprend pas et voilà, je sais pas jusqu'à quel âge il va continuer, mais en tout cas sincèrement il le mérite et on le voit chaque week-end sur le terrain, moi dès qu'il est derrière ça me rassure. Merci. Avec grand plaisir.